Que peut bien me réserver cette démo? Je me le demande tout autant que vous. À part si vous l'avez déjà faite, bien évidemment. Ou tout simplement que vous avez le jeu, hein. Mais d'après mes connaissances, mes peu de connaissances, apparemment ce jeu n'est pas très connu. Il a été développé par Drinkbox Studios, des développeurs pas très connus non plus, à ma connaissance. Il y a une suite qui est sortie en 2012, celui-ci est sorti en 2011. Et j'en ai jamais entendu parler, voilà. Et pourtant, à ce qui paraît, c'est des jeux bien sympas. Donc, eh bien, écoutez, tout ce que je veux, c'est voir de mes propres yeux, palper de mes propres doigts ce jeu et voir ce qu'il vaut. Donc, on va regarder ensemble cette petite introduction. Bah le pauvre, il s'est fait shooter. Ce pauvre petit extraterrestre tout mignon. Il va être récupéré par un méchant scientifique. Donc c'est bien ce que j'avais lu. Voilà, un extraterrestre qui se fait capturer par un scientifique. Et on va tenter de s'échapper de ses griffes. Donc on va appuyer sur Start déjà, ce serait pas mal. Nouveau. Les costumes blobs sont disponibles. Accédez à l'éditeur de costumes depuis le menu pause. Menu pause. Bon, si tu veux, on aura des costumes. Bon, parfait. Débloquer le jeu, eh bien non. Pour le moment, j'aimerais bien faire la démo. Classement, ok, c'est classique. Option, alors volume musique, volume son, vibration. Paramètres d'affichage, ok, ça on s'en fout. Vidéo. D'accord, journal, chapitre 1 terminé. D'accord, on va débloquer, je pense que c'est les cinématiques. Hein. Niveau supplémentaire, qu'est-ce que c'est ça? Ouh, ça sent les DLC, non? Les DLC en... Alors que le jeu, il est que en... disponible sur le PlayStation Store. Qu'est-ce que c'est ça? J'arrive même pas, aucun niveau bonus disponible. D'accord, ou alors c'est simplement des trucs que l'on débloque dans l'aventure principale. Eh bien écoutez, jouez, hein, c'est parti. On va tester de la bête. Facile ou difficile? Hein? Attends, facile, difficile, là ça met labo secret, là ça met campagne. Bon, on va commencer par celui de gauche, et si jamais il est pas long, on ira à droite. Mais c'est quoi labo secret et campagne? Bon, écoutez, je sais pas. Hop, on va prendre le premier. Oh, alors déjà, une belle patte graphique, ça j'aime bien. Oh, eh ben, ça me fait penser aux petites bouboules de Robotnik Means Bean Machine qui vient, d'après ce qu'on m'a dit récemment, de Puyo Puyo. Hein, c'est de là qu'ils viennent. Mais moi, je les ai connus dans Robotnik Means Bean Machine sur Mega Drive. Un des spin-offs des Sonic et qui était à peu près dans le même principe que Tetris en fait, que j'aimais beaucoup. Habituellement, je suis pas trop jeu de réflexion, mais celui-ci m'a toujours bien plu et c'est vrai que je m'étais pas mal amusé et je m'amuse encore et je voudrais bien vous en faire une vidéo, ça c'est certain. Alors, conseil, vous êtes un blob, yeah, vous aimez absorber les choses, yeah. Quand vous absorbez, vous grossissez. Rien de plus simple. Ok. Donc en fait, c'est comme dans la vie de tous les jours, quoi. Plus vous bouffez, plus vous grossissez. Hein. À part quelques petites exceptions. Absorbez des objets pour atteindre la taille indiquée en bas à gauche de l'écran. D'accord. Oh, c'est beau ça. Je fais 4,50 cm. Ah, mais c'est bien. Ah, mais c'est... Non, ou alors 6,75. Non, moi, je suis le petit halo orange, là.
Bon, attendez, on se retrouve dans 2 secondes là parce qu'il y a encore mon son qui a déconné. Je sais pas d'où ça vient, ça va, voilà, va falloir vraiment que j'arrange ce truc là. Allez, à tout de suite. Voilà, c'est parti. Bon, je pense que la prochaine fois, je mettrai carrément le son de la télé parce que si mon son de la capture se coupe à chaque fois, c'est pas la peine. Hein. Bon, allez, on va peut-être commencer. Donc, oh, on va dans un petit tuyau. Oulala, ça accélère vite là. Oulala, qu'est-ce qui se passe? Eh, je peux même pas retourner en arrière si je veux. Si j'y vais, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, d'accord. On est soufflé par un vent invisible. Donc, on ne peut pas remonter. Est-ce que l'on peut sauter? Oh, on peut sauter. On peut pas faire de double saut. Alors, pour le moment... Alors, quand on saute, c'est assez lourd. Ça fait penser au... Ah, on peut faire un wall jump. Oh. Ah, bien ça. Ah, ça, c'est bien. On peut faire un wall jump. Ah, c'est marrant. Ouais, ça fait penser au premier jeu sur les 8 bits où... Donc quand on sautait et on pouvait pas bouger en l'air, bah là c'est à peu près pareil. Si vous regardez mes yeux en l'air par exemple, je saute, mes yeux hop, ils sont dirigés vers la gauche parce que je dirige l'analogue vers la gauche ou vers la droite. Et vous remarquez que quand j'appuie à gauche, et ben il va pas forcément à gauche. Et donc ben il est. Ce qu'il y a c'est qu'on peut pas ajuster son saut correctement en l'air. Donc apparemment aussi quand on est sur les bords comme ça, ouais. Ah c'est pas mal la déformation. Il y a un bon effet de déformation. Ouais, pas mal, alors conseil. Toucher les petits objets en maintenant L2 enfoncé pour les absorber. Ah, donc c'est donc ça. Allez, toi je vais t'absorber. Ah d'accord, il change de couleur. Ah, mais c'est quoi? On dirait qu'il est constipé. Ou non, qu'il est timide. Oh, je suis timide. Oh bah... Je sais pas, on dirait que... Je sais pas qu'il a vu une fille, une jolie extraterrestre femelle. Et là, oh, je suis méchant. Oh, oh bah, je suis tout timide, je suis tout timide. Oh, je suis méchant, timide, méchant. Bon, écoute, excusez-moi, je m'emballe un petit peu. On dirait, hein. Alors là, si j'absorbe ça... D'accord, j'ai grossi un petit peu, non, je vois pas. Ah oui, 5,37 cm. D'accord, mais j'aimerais bien utiliser... Attendez, conseil, absorber des objets vous fait grossir. Oui, tu nous l'as déjà dit. Vous pouvez absorber n'importe quel objet pourvu que vous soyez assez gros. Ah d'accord, donc des objets qui seront, je suppose, plus gros que moi, je ne pourrai pas les absorber. Peut-être. Mais avant qu'on continue, j'aimerais juste tester quelques touches. R2. Ah! Oh, d'accord. Ah, mais les objets, on les voyait à l'intérieur de moi. Non? Ouh là là, mais je les attire. Donc, c'est-à-dire qu'avec R2, je peux les lancer. Mais ils sont reliés à un fil de vie, je sais pas, puisque je les ai déjà absorbés. Et quand je rappuie sur L2, ils les réabsorbent automatiquement, sachant qu'ils sont dans mon champ de vision. Mais par contre, si par exemple, je les jette là-bas et que moi, j'ai tout là-bas, est-ce qu'il va les réabsorber? Petite expérience. Oui, attendez, un scientifique nous a capturés. Il faut bien que nous aussi, nous fassions nos propres petites expériences. Ah, d'accord. Bon. Mais c'est-à-dire que du coup, il nous colle à la peau indéfiniment. Bon, bref. Conseil. Oui, ça, j'ai déjà fait. Donc, toi, on va t'absorber. Mais tu es trop gros, bien évidemment. Donc, je ne peux pas t'absorber. Il faut d'abord que j'aille là-haut. Que j'absorbe les pitis, là. Et maintenant, je peux t'absorber, je parie. Oh là 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 là. Mais des fois... Oui, j'ai pas fini d'utiliser les touches. Alors, ah. Alors, quand on appuie sur carré, il fait son pervers, maintenant. D'accord. Alors, L2, c'est timide. Carré, c'est pervers. Ou méchant. Ouais, c'est pervers ou méchant, ça, je sais pas. Croix, c'est... Bah, croix, c'est pour sauter. Rond, c'est pour rien du tout. Triangle, c'est pour rien du tout. Les touches directionnelles, non plus. L1. c'est bizarre. L2, c'est pour absorber. L1, je sais pas, mais en tout cas, il fait la même bouille. Il fait le timide. Et R1, R1, c'est rien. Bon, d'accord. Donc déjà, nous découvrons que notre petit extraterrestre... Oh, je suis monté de niveau, non? Vous avez atteint votre objectif de taille. Suivez la marque sur le côté de l'écran pour atteindre le point de passage suivant. La marque sur le côté de l'écran. Ah, c'est machin à la droite. D'accord, il va falloir que je passe par le bouchon, je suppose. Et donc, nous sommes un extraterrestre avec beaucoup de personnalité, apparemment.
Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux t'absorber. Ah, bah oui, j'étais pas assez gros pour t'absorber tout à l'heure. Et ouais. Et là, nous sommes dans une espèce de béchère, là. Vous avez atteint un point de passage. Vous avez un nouvel objectif de taille. Bon, alors, pour le moment, ça paraît tout à fait simpliste. Hein, ça fait 6 minutes qu'on est dessus, là. Je vois le compteur en haut, 6 minutes 17. Et bah, pour le moment, on n'a fait qu'absorber des trucs. Hein, mais sachant que c'est un jeu de plateforme réflexion, je suppose que ça va commencer à se compliquer. Paint. Donc on peut le pousser. Interaction d'objets, pas mal. J'aime bien la patte de... Oh, ça bouge derrière. Oh, c'est le scientifique, ça. Oh, c'est le méchant scientifique. Avec les jambes un petit peu désarticulées. Regardez-moi ça. Je dirais qu'il fait le moonwalk, mais en avant. C'est pas mal. Oui, non, je disais, j'aime bien la patte graphique. Regardez la chaise, la couleur du... De ça, là, ce machin que je touche avec ma tête. Comment on appelle ça? Bref, je m'en fous, je sais plus. Eh ben, je sais pas, c'est... Même le dossier derrière... Il y a un petit effet 3D. Ouais, c'est de la 2D 3D, quoi. Ça fait joli. Bon, bref, on va peut-être pousser ce machin pour pouvoir atteindre la plateforme. Est-ce que... Ah, je peux... Ah, c'est bien, je peux me la jouer freestyle et tout. Trop classe. Est-ce que je peux prendre de la vitesse? Ah ouais, on dirait. Mais bon, comme pendant qu'on saute, on peut pas trop se diriger, c'est assez délicat. Ah ouais, donc là, on est vraiment dans le... Comment ça s'appelle? Le laboratoire du scientifique. Hein, avec les calculs qu'on voit derrière sur le tableau, là. Indéchiffrable, d'ailleurs. Ok. Et ça, je suppose que ça doit me toucher, hein. Donc j'ai pas trop envie d'essayer d'y absorber, voilà, j'absorbe plutôt les pièces. Oh, on voit la belle bouille là. Oh, on voit la bouille. D'accord. Oh, c'est pas mal ça. Et ça, ah d'accord. Le wall jump permet de nous... De monter, ok. Donc voilà, pour le moment, on absorbe juste, hein. Et ça, si je veux y avoir, comment je fais? C'est chaud quand même là. Comment je pourrais les avoir ces trucs? Là, si j'essaye, hop, je prends de la vitesse. Oh oui, prends de la vitesse un peu. Ah non, mais c'est pas assez. Je peux pas flotter. Ah, est-ce que... Non, bah non. Est-ce que si je pourrais peut-être les atteindre en lançant mes trucs, peut-être. Ah, mais c'est chaud quand même. Non, je vais pas essayer. On va avancer un petit peu. Conseils, bon, peut-être qu'ils vont nous donner des trucs utiles. C'est le but des conseils en même temps, vous allez me dire. Certains objets vous empêchent de passer, effectivement. Lorsque vous atteignez votre objectif de taille, vous pouvez les franchir. Bon, ça, je pense que je m'en serais douté. Et ça, donc, je ne peux pas. Ah oui, ouh là là. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, mais. Ah, d'accord. Regardez en haut à gauche, j'ai de la vie. Et en fait, je viens d'en perdre pas mal. Ok, et j'ai un... Ah, mais d'accord, en fait, l'objectif de taille, c'est... On a chaque fois un objectif différent. Là, c'est 9 cm. Et là, j'en suis à 7. D'accord. On va essayer de sauter par-dessus, voilà. Bon, et ça, qu'est-ce que je peux faire avec? Je devrais pouvoir m'en servir. L'interaction, elle est bien. Mais là, je vais me faire... Oh, putain! Oh, bah, j'ai éclaté. Non, mais là j'étais complètement coincé, je pouvais pas là. Bon, d'accord, bon. On va y aller. Par contre, je sais pas à quoi servent ces espèces d'orbes bleues. Donc, toi. Voilà. Tu tombes, allez, allez, tombe. Ah, vite, vite! C'est bon, je suis pas fait avoir. Donc là, je suppose que je dois le pousser pour m'en servir pour... Non! Oui, c'est bon, il s'est bloqué. Parfait. C'était tout prévu. Merci, messieurs les développeurs de Drinkbox. Des petites molécules. Oh bah, on a pété la molécule de slodium. Je ne sais pas si ça existe. Ça ne me dit rien. Je connais le sodium, mais le slodium... Je crois pas. Oh, beaucoup de trucs à manger. Et ça y est, j'ai atteint mon objectif de taille. Et yeah. Alors, est-ce que je peux... Ah, mais je peux carrément vraiment
Rebondir plusieurs fois sur les murs et tout, c'est pas mal. D'accord, donc maintenant, je suppose que je peux aller. Et là, est-ce que, en étant plus gros, hein, regardez! En étant plus gros, on peut sauter plus haut. Oh, pas mal. Donc là, maintenant. Ah, et là, j'ai assez de poids pour me mettre sur la balance et arrêter. Oh, c'est pas mal. Oh, c'est vraiment bien pensé. Ah, il y a des bonnes idées. Il y a vraiment des bonnes idées. Ah ouais. D'accord. Et là, il y a la lueur de fin. Mais je vais d'abord aller là. Comme ça, parce que là, apparemment, je peux pas passer. Je suis trop gros du coup. Sauvez vos amis blobs en les absorbant. Le sauvetage d'amis blob augmente votre score affiché en bas. D'accord, c'est juste du scoring. Ok, je vois 0 sur 3. Faites aussi attention aux points à collectionner qui contribuent aussi à votre score. D'accord, d'accord, d'accord. Donc là, ça, c'en est un. Hop, je l'absorbe, c'est parfait. Et là. D'accord, bon, ça m'ouvre simplement la trappe. Ok. Mais ça, je sais. Ah, mais si, c'est ça qui parlait en termes de points, non? Bon, peut-être. Oui, non, mais ça, j'ai déjà lu. Je vois pas pourquoi je rappuie sur triangle, moi. Bon, ok. Et là, j'ai fini. Ouh, beau toboggan. Ah non, j'ai pas fini encore. Oh, un billard! Yeah! Oh, trop bien! On peut pas les mettre dans les trous, par contre. Non, bah non, c'est un. C'est en 2D. Donc, je suppose qu'ils nous ont foutu au mieux. Donc là, je vois la lueur. Pour finir, faudrait que j'y aille. Mais je vais voir un petit peu ce qu'il y a autour, là. Parce que je pense qu'on s'arrêtera. Tiens, il y a une flèche qui me dit d'aller en bas. Mais je veux pas y aller tout de suite! Ouais, je pense qu'on s'arrêtera à la fin, enfin dès que j'aurai terminé ce niveau. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Il y avait une lueur et là, je vais où là? Oh putain! Maintenez carré enfoncé pour courir. Oh tiens, je savais pas. Vous vous déplacez plus vite en courant. Eh ben, ah, merde, courir vous permet, ouais, peut-être faire des plus gros sauts, je parie. Ah donc quand il est méchant pervers, en fait, ça permet d'aller plus vite. D'accord. Et c'est ce qui nous permet de remonter comme ça les canalisations. D'accord. Ok. Ah oui, effectivement, il va bien plus vite. Hein, et merde. Et ça aide. Ok, là on fait un petit wall jump. Je suppose que le conseil allait nous indiquer cela. Donc là, si je veux les avoir, je reviens ici. Je les prends vite. Hop. Et merde, j'ai pas tout pris. Bon, on s'en fout. Ce n'est que du scoring. Allez. Voilà. Là, j'absorbe les espèces de petites piécettes. Je fais mon timide. Hop là. Mais là, j'ai plus d'objectif du coup. Ah si, 12 cm. D'accord, mais il y a des trucs que j'ai loupés, il me semble. Hein. Bon, il n'y a rien de bien difficile, mais bon, je pense que quand on. Ah d'accord, ça, je peux y absorber aussi. Appuyez sur Start et Start, c'est quoi? Costume Blob, ouais. Donc, ça, c'est quoi ça, Costume Blob? Ah, d'accord. On peut customiser notre. Bon, c'est basique, hein. On peut le customiser. Non, non, t'es bien sans. T'es bien sans rien. T'es joli comme ça. Voilà, bon, là, je vois là-haut, il y a des espèces de. Ok. Je sais pas si ça nous sert à remonter notre vie. Bon, ok, fallait que j'aille là-haut, ça, j'en étais sûr. Hop, là, un petit wall jump. Le gameplay est bon, hein. À part un peu lourd en fait quand on saute, comme je vous dis, on peut pas diriger le personnage comme on veut lorsqu'il est en l'air. Merde, mais là je vais me faire écrabouiller. Hein, d'accord, il va falloir que je passe. Ok. D'accord. Ouf. Ouais, on peut pas le diriger, on peut pas prendre de vitesse une fois qu'on est en l'air. Ni. Voilà, là par exemple, hop, pour revenir, ça a été chaud là. Et voilà, je me suis fait toucher. On accélère un peu. Oh putain, d'accord. Oh, j'ai absorbé un œil là. Il y avait une boule, elle ressemblait à un œil. D'accord, donc en fait c'est plateforme, mais en même temps recherche pour qu'on puisse atteindre le, ben, notre taille requise. Mais bon, si c'est que ça, en fait, ça tournera un petit peu en rond, j'ai l'impression, parce que voilà, on va rechercher ben, ce qui. Merde, comment je vais faire là? Ah oui, comme ça. Oh putain. Oh putain, je vais. Ouais, on va rechercher ce qu'il nous faut. Et puis voilà. Après, au final, quoi de plus? Je sais pas. Je sais pas en fait en quoi ils pourront se renouveler en termes de gameplay et d'originalité en fait.
Ouais, je sais pas trop ce qu'ils vont pouvoir proposer. Donc là, bien évidemment, j'ai pas atteint ce qu'il me fallait. Après, je pense que la difficulté, ils la mettront, en termes de là où va falloir atteindre les objets à absorber. Et surtout qu'ils vont en mettre le moins possible pour que après, il va falloir presque tout récupérer en fait pour pouvoir gagner. Et que si par exemple vous allez louper un seul objet, et vous serez dans la mouise. Voilà, je pense qu'ils vont mettre l'accent là-dessus. Mais là, ça fait des niveaux assez longs quand même. Tiens, allez, venez là, je vous absorbe. Et voilà, c'est bon ça. J'ai atteint. Bon, allez, bon, on va directement à la fin. D'ailleurs, je sais même pas où elle est la fin. Ah si, 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 mais si, là, il y avait un bouchon. Et voilà. Bon, c'est pas fini encore. Ok, donc là, j'absorbe des espèces de champignons. Et là, je vois une lueur en bas et ça doit être la fin. Ok. Bon, voilà. On va s'arrêter sur cet écran-là. Félicitations, vous avez terminé un niveau. Si le jeu était débloqué, vous auriez reçu un trophée. Oh là là, dommage, j'aurais bien aimé avoir un trophée. Oh, il va falloir que j'achète le jeu. Mais non. Non, le jeu m'a plu, mais je ne l'achèterai pas pour autant. Voulez-vous débloquer le jeu et recevoir votre trophée maintenant? Non, désolé. Fais voir juste l'écran titre, là, l'écran machin. Collection 1 sur 3, j'en ai pas vu d'autres, mais bon, je suppose qu'il faut chercher. Voilà, je pense qu'on a un but principal, mais le fait qu'il y ait ces petites orbes bleues et nos amis à libérer, c'est ce qui va rallonger la durée de vie et y accorder peut-être un peu plus d'intérêt au titre. Bon, à part ça, bon, après, c'est un jeu indépendant, donc on lui demande pas un truc aussi énorme qu'un vrai jeu... sorti en boîte et tout ça, mais... Bon, ouais, je me demande juste, en fait, en quoi ils pourront se renouveler, en quoi ils pourront être un peu plus originaux. S'il y a la démo du prochain, là, que j'avais vu et qui se nomme, je l'ai noté quelque part... c'est Tales from Space, Mutant Blob Attack. Voilà. Alors si jamais il y a la démo disponible, je la téléchargerai pour voir un peu ce qu'ils ont pu faire avec cette suite. Et puis ben voilà, c'est ce que je pense de ce petit jeu bien sympathique. Allez, eh bien je vous dis de bien retourner à vos occupations, et ciao à tous.